Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons voir un unboxing partenariat de la boutique Everyday Idylls. Donc c'est un beau partenariat. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas présenté de leurs produits. Du coup, j'ai dit oui, avec plaisir. Donc il y aura deux toiles et un petit accessoire qui sort de son originalité, je trouve. Je l'ai vu, j'ai trouvé super mignon. Et effectivement, c'est ultra beau. Donc on va commencer par une petite toile. Celle-ci. C'est parti. Donc voilà, j'ai déballé. Et alors, c'est pas une très grande. Mais par contre, je l'avais vu. J'avais vu ce style-là sur leur site. J'ai dit, ah ouais, c'est pas mal. Et vous allez rigoler parce que je vais faire une petite, petite blague. Donc c'est une 30 par 40 avec 23 couleurs. Et alors, Isa, cette toile, c'est quoi? Un gnome. Gnome. Ah, vous savez, Stitzaz, de la chaîne Stitzaz, donc Isa. Donc, elle vient du Nord. Et généralement, quand avec l'accent du Nord, c'est les gnomes. J'arrive même pas à le prononcer comme elle le fait, mais c'est trop beau. Bref, elle est trop belle. Hein. Regardez-moi ça. Hop, voilà. Alors, c'est une toile de saison. Hein, des petites marguerites et tout. Le petit gnome qui fait de la balançoire, je la trouve trop, trop belle. Elle est très claire. Et ça me plaît énormément, donc vraiment c'est top. Alors on est sur une toile plutôt, je veux dire, entre fine et épaisse, c'est moyenne, donc c'est plutôt sympa. Donc 30-40 bords inclus, hein, ça on connaît, voilà. Et toujours avec ses côtés plutôt pailletés, mais une fois que la toile sera effectuée, je vais mettre de l'acrylique dessus, de la peinture. Voilà, hop, première toile. Bien sûr, les diamants. Alors, les diamants sont en ribambelle. Donc, il faut bien sûr utiliser le ciseau. Voilà, ce qui est un peu plus long, mais ça ne pose pas problème. Hein. Vous avez tous les codes couleurs. Voilà. C'est plutôt bien. Et des belles couleurs claires. Donc, lui, c'est du rond. Hein. Valeur sûre, toujours sur les sites chinois. Un beau petit rouge bien, bien brillant. Et on est toujours sur des diamants acryliques. Parce que, pourquoi, je vous l'ai dit, on voit sur le plat du diamant, donc le landau, ça s'appelle, pour ceux qui ne savent pas, la pointe, donc c'est des diamants piqués, donc c'est de l'acrylique. Voilà, ce n'est pas de la résine. Sur le toolkit, donc toolkit de base, hein, stylet, barquette, pain de colle, voilà, ça c'est de base. Mais ça suffit. Et ça va pour diamanter ce genre de toile, c'est parfait. Voilà pour la première des toiles. Ensuite, on va couper avec un accessoire, donc bien emballé. Je l'ai trouvé super mignon. Donc je vais vous montrer ça en direct. Donc je fais attention. Hop, voilà. Et c'est une petite pyramide en résine. Donc regardez-moi, c'est ultra joli. Donc c'est pailleté comme ça en dessous. Voilà, c'est plutôt mignon. Avec une boule au centre. Donc je trouve que l'effet vraiment visuel est top. C'est plutôt bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que la pyramide est ultra jolie. C'est bien fait. Et c'est une belle décoration. Il n'y a aucune imperfection dedans. Vraiment, on peut le regarder. Hein. Il n'y a pas de... C'est pas bon. C'est un peu les traces de doigts, mais c'est rien. Mais c'est joli. Donc, il y a plusieurs modèles sur le site. Vraiment à des prix, on va regarder ça après. Hein. Vraiment des prix très, très abordables. Et c'est bien emballé, c'est bien, bien protégé. Donc quand on veut faire un beau petit cadeau qu'on a invité, ce style d'accessoire, c'est vraiment topissime. Voilà. Donc je vais le remettre dans son papier d'emballage. Alors ma fille le voulait,
J'ai dit, bah écoute, tu fais de la place sur ta table de nuit, je t'en mets un. Ah, mais ma fille, vraiment. Et ensuite, on va terminer par une belle toile. Donc, je ne sais plus ce que c'est. Toujours bien protégée. Ah oui, oui, ça y est. Donc, je l'ai vue et elle me plaisait bien, celle-là. Alors, elle est beaucoup de noir, beaucoup de rouge. Mais quand vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Alors, revenons sur le site de Everyday Idylls. C'est aussi un site qui est très connu. Et c'est une valeur sûre. Ils envoient rapidement. Ils sont toujours très réceptifs, très réactifs. J'aime bien cette compagnie. Et vraiment, on va effectuer ça ensemble pour regarder. Donc j'ai essayé de vous la mettre à l'endroit. Voilà. Je la trouve vraiment stylée et originale. Voilà. Alors, avec les reflets de lumière, je vais plutôt vous la montrer comme ça. Donc c'est une femme avec des ailes. C'est un ange pour moi. Voilà. Un ange un peu déchu, avec les têtes de mort sur le côté. Je la trouvais trop originale. Vraiment, elle est stylée. Avec les grandes ailes blanches, avec du rouge, du sang comme ça qui éclate un peu partout. Donc, c'est peut-être pas forcément le goût de beaucoup de personnes, mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, elle a 23 couleurs. Et là, on sera plus sur du rouge, du noir, pas mal de noir encore une fois, mais c'est pas grave. Parce que, en fait, si vous voulez, le blanc, rouge, noir, comme ça, ça va tout va ressortir. Et je la trouve super mignonne. Donc 40 par 60, bord inclus. On est sur une toile, encore une fois, semi-épaisse. Hein. Donc crèche, mais semi-épaisse, de bonne qualité. Donc toile col coulé, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et nous sommes sur un panel de sachets Rimambel. Donc toujours avec les codes couleurs dessus. Aucun souci là-dessus. Voilà. On peut voir, vous avez donc, comme je vous l'ai dit, pas mal de... Ouais, c'est un rose vraiment très très pâle, du rose, du orange, du brun, encore du rose. J'ai du blanc dedans, du rouge, du orange, et bien sûr il y a du noir. Donc comme sur la toile, hein, on va regarder l'imprimé de la toile. Bah écoutez, ça m'a l'air vraiment impeccable. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau des symboles, on voit bien. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez constater. Hein. Vraiment, c'est nickel. Hein. Je vous la remontre une fois. Hop. Et après, je vous emmène sur le site. Pareil. Elle est plutôt mignonne. Ouais, moi j'aime bien. C'est stylé, on va dire. Ça change un peu de ce qu'on voit à l'habitude. Donc j'aime bien un peu changer de thème. Et ouais, alors c'est pas une toile de saison, je vous l'accorde, mais elle est pas mal. Voilà, et je vous emmène directement sur le site. À tout de suite. Voilà, sur le site de Everyday Idylls. Donc, comme je vous avais dit, hein, c'est un grand site très très connu où il y a énormément de choix. Vous avez de tout style aussi, encore une fois. Hein. Mais je trouve ça vraiment très très chouette de mettre énormément de choses. Alors là, j'ai vu, au début, je voulais prendre des toiles un peu comme ça. Je me suis dit, il y a beaucoup de foncé quand même et j'ai peur du rendu final. Après, nous avons des toiles déjà bien présentées sur le monde du DP. Et on va voir tout de suite sur les nouveaux arrivés. Je trouve pas mal les DP de bottes. C'est un style, hein. Après, on peut pas forcer les gens à aimer ou t'aimes pas. Mais regardez-moi ça, c'est plutôt mignon. Et un prix encore vraiment très bas. On est à 4,54€, s'il vous plaît. Vraiment, hein. Vraiment, c'est topissime, quoi. Pareil, des signes super jolis. On est à 5,45€. Vraiment, on est vraiment sur des prix plus que raisonnables. Ah, un petit stitch. Allez, je fais un petit coucou à ma Marie Champagne. Elle se reconnaîtra. Regarde, Marie. Un petit stitch.
Voilà. Donc vous avez vu, vraiment, c'est énorme sur le site ce qu'il peut avoir. Bah, moi, c'est vrai que ce site-là, j'affectionne aussi pas mal de choses. Après, on ne peut pas tout prendre, vous êtes d'accord avec moi. Vous avez aussi du cross-stitch, donc c'est sans doute, oui, cross-stitch, c'est du point de croix estampé. Donc, bon, ça, voilà, c'était pour le petit truc. Après, il y a des... Vous pouvez faire aussi des accessoires, hein, comme je vous ai montré la petite pyramide, qui était, bon, voilà, c'est une déco, hein, c'est pas diamanté, c'est une décoration. Mais vraiment, c'est quand même immense. Regardez-moi cette petite girafe, elle est pas mimi, elle est mignonne, elle est remplie de couleurs ou vraiment. Oh, la petite tortue. Alors ma petite tortue, si je me trompe pas. Ah non, j'allais dire une bêtise. Petite tortue, c'est Nanou. Et la limace, c'est ma tempérance. Oh là là, non mais Steph, arrête, arrête. Ah mais oui, c'est pour voir si vous suivez. Voilà. J'aime bien ce style de dos nu avec un tatouage. Je trouve ça très très joli. Ah, c'est énorme ce qu'il y a. Regardez-moi ça. Ah, les couleurs de dingue, quoi. Oiseaux, ben, on est vraiment dans la saison, voilà. Oh, c'est trop mimi, trop beau. En bref, voilà, petite licorne, hein, Astrid, petite licorne, non? Oh là là, j'arrête, j'arrête, j'arrête de vous embêter, promis. Eh ben, les amis, écoutez, merci de m'avoir suivi sur cette petite vidéo de partenariat. Je vous dis bonne journée. N'hésitez pas à me mettre un pouce et un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.